à tous les amis, bienvenue pour le Grand Prix de Miami. On est toujours en carrière COP 100% Mercedes avec Fab. Salut Fab. Salut Mike, salut à tous. On va essayer de se rattraper avec notre échec en Chine. Bah moi c'est un semi-échec, moi j'ai quand même. Ouais. Et c'est plus tard. Gros plein de moteur à Rotterdam, Dieu. Pas mal comme tour. Une 29. Non, une 28 quand même. Une 28 plus 136. Ah, bien joué. Ça va manquer un peu quand même. La mal négociée. Thank you.
1032. Max deuxième, à 44 centièmes de Sergio. Thank you.
Allez, le Grand Prix, les amis. Fab est en pole. Max deuxième, je suis troisième. On est encore bien placé. On va essayer de faire un beau Grand Prix. On annonce que du soleil, pas de pluie. On va changer de la Chine. Ah, la Chine, c'était galère, la météo, putain. Ouais. La vitesse moyenne devrait dépasser les 220 km/h et les occasions de dépassement ne devraient pas manquer. Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. Chen part en pole position et c'est Max Verstappen qui lui emboîte le pas. En ce qui c'était serré entre les trois premières. 52 centièmes d'écart Russell, entre les trois. Oscar Piastri, Norris, Leclerc, Joe, Magnussen, Bottas, Gasly, Albon, Sargeant, Sainz, Ocon. Oh, Sainz très loin, 15e. Troll, Tsunoda et Nick De Vries. Allez, réussi pour la McLaren. Préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. Jacques Villeneuve me rejoint une nouvelle fois en cabine de commentaires. Jacques, c'est un grand plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Dites-nous, vous qui avez une bonne expérience des circuits, comment empêcher l'adrénaline de vous envahir au moment de vous... Bon, la stratégie, qu'est-ce qu'ils vont vous proposer ? Son adrénaline doit monter en pensant au départ jusqu'au premier virage. C'est un peu comme se préparer à l'inconnu joue sur les nerfs, mais c'est une bonne chose. Ça lui permet de garder sa concentration sur l'instant présent et sur ce qui l'entoure à mesure que le départ du Grand Prix approche. Et c'est parti, les pilotes s'élancent pour le tour de formation et l'excitation est à son comble dans les tribunes alors que le départ de ce Grand Prix est imminent. Quelle écurie réussira à sortir vainqueur aujourd'hui ? Quelle stratégie s'avérera gagnante ? Nous allons vite le découvrir, alors restez avec nous. Nous sommes quasiment prêts un bon départ là pour pas qu'il alors que les monoplaces s'alignent sur la grille. Pilotes et écurie n'ont plus que quelques instants pour s'assurer que tout est en ordre avant l'extinction des feux. Hey. Bonne impulsion là, monsieur putain. Allez. Oh là là, la Red Bull. Mais merde. Vas-y, mais connard là, mais c'est pas possible, putain. Il y a même pas de cette petite car. Allez vous faire enculer. Oh Miami, en ce moment ça me casse les bonbons. Là, ça y est, la course est ruinée. Putain, je vais monter les safety cars, moi, sérieux. Là, normalement, il y a safety car, sans déconner, il faut arrêter. Ouais, c'est bon. Ça y est, on me le prend. Putain.
Ni même pas de safety car là-dessus pour arrêter. C'est bon, ça m'a saoulé. Bon, mon ami, je vais finir par manger du calendrier parce qu'il me casse les couilles, ça va un peu. Même pas de safety car là-dessus. Voilà, je suis bon dernier, c'est bien. Chier lui quand même. Ah, j'ai même pas envie de rouler tellement ça m'a saoulé, sans déconner quoi. De l'avoir. Hein. Bon, on va essayer de remonter dans les points, ça sera déjà pas mal. Est-ce qu'il faut pas qu'on me tenait après? Ouais. Ça me fait le plus de m'arrêter. De derrière te rattrape de 5 dixièmes au tour, 5 dixièmes. Il aurait dû avoir un petit picard là, pour déconner. Il y avait au moins 2-3 voitures à l'arrêt, même pas de petit picard, n'importe quoi.
putain, fais chier, hein. Je ne peux pas me concentrer, merde. Allez, c'est bon. Allez, tu peux récupérer ta position. Saut. Merde que... Quel burn. Quel con. Secondes.
Allez, dépasse-la. C'est bon, tu peux partir. C'était un super arrêt. Beaucoup mieux que ce qu'on espérait. Essaie de mélanger tes pneus, l'objectif est de finir la course avec ses gommes. Ah, tu es enculé, comment on l'arrête? Merci. Jolie manœuvre, bien joué. Avec la voiture qui nous précède est de 5,9 secondes.
Vas-y, putain! Vas-y, je t'en prie pas, enfin, vas-y, je t'en prie pas, allez, vas-y. Je vais manger une petite dans le mur, moi, c'est bien. Ouais, c'est bien, c'est bien. Ouais, c'est bien, ouais. Ouais, c'est bon. Si on prend ce petit car, c'est fini. La voiture de derrière se rapproche, il te rattrape le 5 dixième au tour. Quel grand prix de merde, lui, dégage l'année prochaine, je le dégage celui-là. Ah, puis voilà, je me suis trompé de bouton, ouais, vas-y. Ouais, c'est bien, ça me fait une bonne jambe. Ouais, c'est ça. Je sais même pas pourquoi je suis ressorti. Je vais abandonner. Même pas un safety car, rien, que dalle. Ouais, vas-y, l'acte de t'es mort aussi, ça commence à me saouler, quoi. On perd de la bagnole à cause de ça. Prendre secondes de retard sur le 16ème, moi c'est même pas la peine de continuer. Il pourrait y avoir un safety car là, bordel de merde là. Je remonterai jamais. Avec le pilote de devant est de 1,8 secondes. Rattrape la voiture de devant, mais rappelle-toi, il faut que tu termines la course avec ses pneus. Oh putain, ferme ta gueule. Ingénieur, silence. Oh, ferme ta gueule là, c'est bon.
part que quand je te le demande. Merci à pour ce petit car jaune, j'abandonne tout pour la peine de continuer. Ça sert à rien. Notre retard sur la voiture de devant est de 5,2 secondes. Ok, ton retard sur la voiture de devant. 5,8 secondes. Ok, sa voiture a de nouvelles gommes dures. Il chausse des gommes usées depuis 4 tours. Le dernier tour a donné 1,32,2. L'écart avec notre coéquipière est de 36,5 secondes.
tu as un bon rythme, mais fais attention, tes pneus doivent tenir jusqu'au bout. Oh, c'est super motivant, putain, c'est génial. Putain, qu'est-ce que c'est long quand t'es dernier, putain. Ouais, je continue à rouler pour pas me prendre un DNF, hein, par mon tâche. On pousse la bagnole de merde là. Quatre secondes, je suis même pas capable de le rattraper. Moi, un deuxième abandon avec un safety car là, ça serait bien. Ça me relance un peu. Et là, je suis à deux doigts de partir en DNF là. Franchement. Donc, au 26e tour, il y aura tous ces stickers. Au 26e tour, j'abandonne. C'est bon, ça va. Il prend un DNF, je perdrai en popularité, c'est grave, j'en ai rien à foutre.
Nous avons près de 4 tours de carburant. À peu près 3 tours de carburant.
seul tour de carburant. Beaucoup mieux faire. Putain. C'est la fin d'un Grand Prix de Miami renversant. Saluons la magnifique prestation des pilotes qui grimpent aujourd'hui sur le podium. Aïe, aïe, aïe. Dites-moi, Jacques, comment pensez-vous qu'il a réussi à signer un tel résultat aujourd'hui ? Je pense que la météo était parfaitement adaptée à sa monoplace. Toutes bien joué, Max. Toutes les conditions étaient réunies. Vent, température de la piste. Lorsque la température des pneus est optimale, les performances sont au rendez-vous. Vous avez donc pas loin du podium. Cette température. Voilà ce qui a fait la différence aujourd'hui. Sa monoplace j'avais pas eu mon tête à queue. Et voici nos vainqueurs du jour. L'équipe Red Bull a fait un travail donc formidable. C'est un doublé Red Bull. Ils ne se sont Verstappen, pas Perez. Sur leur laurier et ils peuvent être fiers de la victoire. Et Lando Norris, troisième. Alors on va se quitter ici, les amis. On se retrouvera pour le prochain Grand Prix. Ce sera à Imola. D'ici là, portez-vous bien. Salut à tous. Ciao, ciao.